Bonjour tout le monde, c'est Iris, la reine du blog apprendre-à-chanter-facile.com et aujourd'hui nous allons voir The Ring of Fire, The Ring of Fire. Connaître votre tessiture si vous êtes un homme. En effet, j'ai déjà fait une première vidéo pour connaître comment connaître sa tessiture. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de comment trouver votre tessiture. Et cette partie, elle s'adresse aux hommes. Alors, dans la précédente vidéo, en fait, j'expliquais que pour connaître votre tessiture, enfin déjà je vais vous réexpliquer ce que c'est que la tessiture parce que je sais qu'il y en a sûrement aussi, c'est la première fois que vous venez sur cette vidéo, peut-être que vous ne savez pas. Donc je vous invite à revoir la vidéo précédente. Et sinon, pour rappel, la tessiture, c'est l'ensemble des notes sur lesquelles votre voix est à l'aise. Donc c'est là où votre voix s'exprime le mieux. Donc je disais précédemment qu'il y a deux techniques pour reconnaître sa tessiture. La première technique consiste à utiliser un logiciel ou une application ou une vidéo. Donc, il suffit simplement de mesurer la note la plus grave que vous pouvez faire et la note la plus haute. Et donc, on a l'écart de ces notes-là. Mais ça s'appelle la tessiture en fait, qu'on va obtenir. C'est une tessiture théorique. Et en fait, le problème, c'est que comme c'est théorique, des fois, il y a des notes qu'on peut faire qui sont très graves ou très aiguës, qu'on peut faire individuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on peut chanter toute une chanson en entier sur ces notes-là. Donc, il faut compléter cette méthode, donc la méthode d'un logiciel, il faut la compléter par l'expérience, l'expérimentation. Donc, il faut expérimenter des chanteurs. Donc, c'est pour ça que dans la précédente vidéo, donc, j'ai donné pour les femmes des exemples de chanteurs et des chanteuses qui avaient certaines tessitures. Bon, j'ai eu comme commentaire qu'il y avait certaines tessitures qui n'étaient pas totalement exactes. Qui était soit la tessiture était un petit peu mixte, et j'expliquais qu'effectivement il y a des tessitures qui sont pas de certains chanteurs en fait qui sont comme elles s'étendent sur plusieurs registres, en fait elles arrivent à chanter dans plusieurs tessitures, du coup c'est un peu difficile de les catégoriser dans une seule tessiture. Mais bon, bref, ça c'est entre parenthèses, je vais pas vous rentrer dans les détails, ça va vous embrouiller en plus. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc pour les hommes quelques exemples. Donc, quelles sont les tessitures d'hommes connus et quelques exemples en fait d'artistes qui ont ces tessitures. Donc, pour les principales tessitures masculines, nous avons en allant des plus graves aux plus aigus. Donc, dans les plus graves, on a les basses. Alors, les basses, c'est les voix les plus graves d'hommes. Comme exemple, en fait, on a Barry White. Ensuite, en deuxième, nous avons les barytons. Donc les barytons, ce sont les voix moyennement graves d'hommes. Donc parmi les barytons célèbres, on a Florent Pagny, on a Jeff Buckley, on a Elvis Presley. Donc c'est vraiment les voix médium. C'est la voix la plus répandue en fait chez les hommes, la voix de baryton. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. Ensuite, nous avons en troisième, nous avons les ténors. Alors les ténors, c'est vraiment les voix masculines aiguës. Hein, c'est Freddie Mercury, voilà, où on arrive à atteindre des notes presque des notes de femmes. Donc là, c'est des voix de contre-ténor, non de ténor, pardon, de ténor. Et on a par exemple Michael Jackson, on a Freddie Mercury, comme je disais.
Et ensuite, on a une quatrième catégorie, et celle-là, enfin, c'est, voilà, c'est une catégorie un peu hors norme, c'est les contre-ténors. Alors, les contre-ténors, c'est vraiment des voix hyper aiguës d'hommes. C'était vraiment, voilà, limite des voix de femmes. C'est très, très rare. Et souvent, dans ce type de voix, en fait, les hommes utilisent leur voix de fausset. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider et cette vidéo m'avait été demandée depuis longtemps. Donc je suis de retour, donc voilà, merci beaucoup de me suivre encore et j'ai vu qu'on a dépassé la barre des 5000 abonnés, on est à 9600 abonnés, donc bientôt on va arriver à 10 000. Donc merci encore de me suivre, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a aidé, si vous avez des questions, mettez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir lors des prochaines vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à visiter mon blog apprendrelachantéfacile.com et vous inscrire à la newsletter pour avoir les prochains articles et surtout pour télécharger le guide. Donc le guide qui est comment apprendre à chanter rapidement sans professeur. Voilà, à très très bientôt, c'était Iris Lorraine.